le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver dans un nouveau vlog. On est samedi, le temps est automnal, gris, il pleut. Et ça fait du bien, voilà, ça fait des petites journées à la maison. Samuel et Gaspard sont en Suisse chez la maman de Samuel. Et du coup, ils reviennent après-demain. J'ai une très grosse semaine avec des déplacements à Paris, des tournages, etc. Je me sentais un peu fatiguée, j'avais vraiment hâte d'être en week-end. Cette nuit, j'ai tapé une nuit de 8h et quelques. J'utilise l'application Sleep Cycle, c'est pas une collab. Et franchement, je l'adore, ça m'aide à traquer un petit peu mon sommeil. J'ai une moyenne de sommeil de moins de 6 heures, ce qui est très bas. Et c'est un de mes futurs objectifs, voilà. Là, je vais me préparer, je vais rejoindre Mathilde et Loïc qui sont chez mes parents. En fait, ils m'ont dit qu'ils allaient chez mes parents pour leur faire un coucou. Je leur ai dit que j'allais les rejoindre, voilà, avec leur petit baby d'amour. Comme je vous le disais en story, dernièrement, ça faisait un moment qu'on n'avait pas papoté de vive voix. En story, je mets plus de photos en ce moment parce que c'est vrai que les stories, j'ai l'impression qu'on est un peu tous là à zapper les stories de tout le monde. J'ai envie que ce soit vraiment un moment de partage et du coup, c'est pour ça que j'adore les vlogs. Je ferai pas de vlogmas cette année, j'en ai pas envie d'avoir ce truc de contrainte, mais là j'ai envie de reprendre les vlogs donc c'est cool. Je vais finir de me préparer et puis je vais aller chez mes parents. Je pense que je vous embarquerai pas chez mes parents. On se retrouve tout à l'heure, je pense que ce soir ça va être une petite soirée rangement de ma salle de bain. On va continuer à prendre soin de soi, skincare, tout ça. Voilà. Il est 21h20, je viens de rentrer de chez mes parents, on a passé une trop bonne journée et même début de soirée apéro. Je suis passée faire un drive près de chez mes parents, ils ont tout un truc drive et à côté ils ont un magasin bio et tout, donc quand j'y suis j'aime bien, il y a tout à côté. Demain j'ai des copines, enfin une copine qui vient à la maison, du coup j'ai pris des petits trucs apéro, du poulet, des blancs de poulet, du parmesan râpé, du cheddar. Je cherchais, vous savez, du vrai cheddar, je fais de la ASMR nails avec le cheddar. J'aimerais faire un mac and cheese de chou-fleur et au final il n'y avait pas les chou-fleurs que je voulais, donc j'ai pas mon chou-fleur mais j'ai mon cheese. Du coup j'avais pris de la crème fraîche aussi pour aller avec et du fromage. On avait un énorme morceau de Saint-Nectaire et en fait on l'a ouvert chez mes parents donc ils me l'ont remballé. D'ailleurs je devrais leur offrir des bivrap. Je sais pas si vous connaissez, nous on en a une sacrée collection. On en vend sur Cracotte, c'est du tissu qui a été enduit en cire d'abeille et vous voyez il est malléable et pour emballer les petits trucs comme ça sans utiliser du film étirable, c'est trop bien. Et ça se lave avec l'éponge. Et après au magasin bio j'ai pas pris grand chose, j'ai juste pris des poivrons. Un brocoli bien sûr, on aurait pu me faire une demande en mariage avec un brocoli comme ça. Voilà, un petit avocat et des oignons, mais ça je vais pas le mettre au frigo. Voilà, c'était juste quelques petites courses pour tenir jusqu'à mardi, puisque lundi c'est férié. Je supporte plus mes cheveux, je vous jure, j'ai envie de les attacher tout le temps et je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que là j'arrête pas de les toucher, c'est infernal. J'ai appelé Luc de la récréation en renfort, je lui ai dit faut qu'on coupe là et je veux plus de mèches comme ça, je veux retrouver mon brun. Bref, je vous montre pas l'état de la salle de bain, c'est vraiment... Il faut absolument que je fasse du tri, du rangement. J'ai été plein de fois en déplacement et du coup j'ai plein de petites trousses de toilettes qui se sont accumulées. Bref, donc demain c'est ma mission. J'essaye d'oublier ça et je vais me faire un petit masque. Je m'étais fait une commande sur Cracotte et j'avais pris le masque aussi de la même marque. Et du coup je pense que je vais le tester. C'est un petit masque gommant. Laissez poser 10 minutes, humidifier, masser délicatement. Ça sent les plantes, j'adore. Sympa non? Et là c'est tellement bordel dans la salle de bain que je ne sais même pas comment je vais me rincer. Voilà, on n'a plus qu'à attendre 10 minutes. Pendant que ça pose, je vais écouter un podcast. Je vous mettrai en barre d'infos ma playlist de podcasts. Vous êtes souvent à me poser des questions sur mes podcasts coup de cœur. Et du coup, dès que j'ai un épisode que j'aime bien, hop, je vous le mets dans la playlist. For your mental health too, yeah, like this world is so crazy, let alone overnight success. Ça y est, je me suis rincée, j'ai la peau toute douce, j'ai envie d'un truc hydratant, donc je vais faire un petit masque comme ça. C'est bientôt Halloween, je crois que je suis dans le thème. Je regarde un vlog de Alisha Marie maintenant, après mon petit podcast où je l'ai entendu raconter un peu le côté business side de tout ce qu'elle fait, parce qu'elle a plein d'entreprises et tout, j'aime trop son esprit entrepreneurial. Je regarde un de ses petits vlogs. C'est pour ça aussi que j'aime autant les faire. C'est parce que vraiment, j'adore en regarder. Je trouve ça trop bien un vlog. C'est vraiment un moment où tu te poses. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire en regardant celui-là. Ça y est, skincare terminé pour ce soir. Je me suis dit que ça faisait longtemps que je m'étais pas posée pour papoter un peu avec vous. Comme je le disais ce matin, le format vlog, c'est vraiment le format que je préfère pour ça. Actuellement, c'est les vacances pour Gaspard. Donc c'est pour ça qu'il est parti voir sa grand-mère qu'il a pas vue depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe en ce moment que je veux vous raconter? Très très heureuse déjà, tout va très bien. Parce que j'ai eu des petits messages sur Insta en me disant ça va aller, on ne voit plus trop et tout. Mais c'est juste que c'est hyper chargé. C'est vraiment une... Il n'y a pas eu du tout de coupure. Je suis très présente pour les lancements de projets. Mais après, la plupart du temps, j'essaie de déléguer parce que sinon, ben, j'ai plus de temps pour développer moi tout le reste à côté. Je sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog, mais en tout cas, le mardi, on accueille une nouvelle personne dans l'équipe qui est en stage, qui va travailler sur le gros projet sur lequel je travaille en ce moment et qui sera mon actualité de 2022. La différence cette fois-ci, c'est que j'ai décidé de vous en parler tout le long et de ne pas teaser, puis dévoiler le projet. À l'annonce de cette éventualité de partager tout ça avec vous, vos retours m'ont fait
fait tellement plaisir, je me suis dit mais en fait c'est ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'on travaille beaucoup en ce moment avec Mathilde, donc Mathilde avec qui j'ai le podcast Salut ça va, qui arrive en décembre, ça aussi c'est une autre actualité, on lance la saison 2 en décembre. Comme Mathilde reprend le travail là le 15 novembre, ça aussi j'ai des questions, vous êtes trop mignonnes, mais n'hésitez pas à les suivre sur leur compte, je vous remettrai le compte de Loïc et Mathilde qui sont donc les amis psy, parce que vous me posez des questions, des fois je reçois des demandes limite de rendez-vous pour eux, hein, donc ils sont très réactifs, n'hésitez pas à les contacter. Bref, j'ai trop de choses à vous dire, du coup je pars dans tous les sens. Mon gros projet donc avec Mathilde sur lequel on travaille, c'est une plateforme de développement personnel en ligne avec un premier programme sur lequel on travaille qui va être vraiment centré sur le développement personnel, le self-love, le self-care, tous les sujets que j'adore aborder ici. On avait envie de rendre ça très concret et moi c'était évident que je voulais faire ce projet avec elle parce qu'elle a des connaissances scientifiques. Elle a 6 ans, bientôt 7 ans, je crois qu'elle terminerait sa 7ème année à partir de janvier là, d'études sur le sujet, et que le développement personnel, pour m'y intéresser depuis des années, c'est vraiment un milieu où je trouve qu'il y a beaucoup de choses, et beaucoup de bonnes choses, comme beaucoup de choses que je trouve très bancales. L'idée c'était vraiment de proposer une plateforme avec une communauté et du contenu bien sûr bienveillant, mais aussi efficace pour les personnes qui sont réellement motivées. On parle pas du tout de personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour des psychopathologies ou de thérapie, pas du tout. Là on est vraiment sur le développement personnel pour des personnes qui ont déjà la motivation, des projets, de l'envie, mais qui cherchent à avoir une structure, des outils et des petits tips pour vraiment voilà, get your life together. Donc bref, j'aurai l'occasion de vous embarquer dans les prochains vlogs sur toute l'avancée du projet. Je trouve ça cool aussi de vous montrer cette aventure parce que c'est un peu le côté entrepreneurial et en même temps un projet dont je suis trop fière. Je vous en dis pas plus sinon je vais tout vous balancer, mais au fur et à mesure des vidéos, ce sera l'occasion pour moi de vous présenter tout ça. Je suis hyper excitée à l'idée de lancer ce projet, ça va complètement avec ce que j'ai envie de vous partager sur les réseaux. J'ai hâte de construire cette nouvelle communauté autour de ce projet là. Je pense qu'on va faire de grandes choses et que vous allez nous apporter autant qu'on va vous apporter. Je pense que je vais vous retrouver demain, il est 22h38, j'ai envie d'aller me coucher. Vraiment là j'essaie d'utiliser ce week-end en solo pour me reposer vraiment. Deuxième jour de ce vlog, on commence comme d'hab, hein, matcha. Là j'avais envie d'un matcha chaud et je me suis aperçue que je n'avais pas de tasse. Genre ici on n'a aucun mug. J'ai envie de me faire une petite to-do de ce que je dois faire aujourd'hui. Quel est ce bruit ? Ranger la salle de bain, je peux plus me défiler. Ranger le linge qui est plié quand même. Détendre la machine qui est en train de sécher. Ranger la machine. Vider ma valise. J'ai toujours pas vidé de Paris. Sortir la poubelle. Certains vont se dire mais pourquoi elle a besoin d'une to-do list pour faire ce genre de choses. Mais moi j'adore, je trouve ça très satisfaisant. C'est comme ça que je fonctionne, voilà. J'ai envie de dire l'important c'est qu'à la fin de la journée ce soit fait. Que vous ayez une to-do list ou pas, après chacun ses délires quoi. Il est l'heure. Tadam! C'est l'heure de s'y mettre. Je reste motivée, je prends la mesure du fait que ma to-do était peut-être un peu ambitieuse pour aujourd'hui. Il y a tous les bacs qui sont là-bas, c'est vide. Il va falloir que je fasse un petit coup de ménage. Puis ensuite on va s'attaquer à ça. And it's all clean. Première étape terminée, c'était clairement pas la plus difficile ni la plus longue. Déjà on va trier les trousses de toilette. Comme d'habitude, vous me connaissez maintenant, j'étais en train d'écouter un petit podcast. C'est un podcast qui s'appelle Le Club Bonheur, je vous l'ai ajouté dans ma playlist. Et c'était un épisode sur l'alimentation intuitive par Alicia Sicardi, qui est diététicienne et chercheuse. Et c'était hyper intéressant, donc voilà, je suis là-dessus en rangeant. On allie l'utile à l'agréable. Et je pense que je vais étaler ma to-do sur aujourd'hui et demain, parce que clairement, ranger la salle de bain m'aura pris une bonne partie de la journée. Après, je vais me faire à manger, et il est fort probable que je lance une machine, mais le tri du frigo, tout ça, ça attendra demain. Déjà. On finit ça. Autrement que. Et en même temps, de l'idée morphologie. C'est terminé, les amis. Oh là 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 là.
là comme je suis heureuse. Bon, rapidement, j'ai laissé une étagère pour tout ce qui est serviettes, etc. Mais là, c'est, ça va être à la machine. Il y a carrément des petits bacs de rangement vides. Tous ces bacs, ils viennent du site onrangetout.com. Je vous mettrai en barre d'infos le site, c'est là où je prends tous mes rangements. Cheveux, gommage, très fan des gommages. Et ici, tout ce qui est skincare, moi je range toujours par type. Donc là, on a les sérums, j'adore les sérums. Nettoyant, essence, lotion, après tout ce qui est crème de jour. D'ailleurs, j'ai plus de crème de nuit, enfin j'en ai une qui est presque vide, que j'adore de chez Antipode. Et ça, c'est contour des yeux et lèvres. Et derrière, après, on a soin pour le corps, soin spécifique, genre épilation, etc. Gel douche et mes déos tout au fond. J'ai fait une petite trousse avec mes essentiels quand je me maquille. Tout tient là-dedans, au moins j'ai pas à chercher pendant des heures. Les pinceaux, faudrait un jour que je m'attelle à tous les nettoyer, mais ça c'est une autre histoire. Là-dedans, il y a des cotons et il y en a encore là-dedans. C'est mon petit semainier de chez Cracotte avec plein de cotons à l'intérieur. Ici, on a une boîte avec les tampons que j'ai retrouvés, même si vous savez que maintenant je mets surtout des culottes menstruelles. Le make-up que j'ai en plus, donc vous voyez, ça tient dans cette petite boîte. Là, c'est tout ce qui est masque. J'en ai beaucoup, beaucoup parce que j'adore ça. Juste en dessous, c'est les trousses de toilette, les pochons, ce genre de choses. À côté, on a tous les fers à cheveux, une balance, ma balance connectée WeThings. Là, c'est les petits produits format voyage quand je pars en déplacement, quoi, c'est très pratique. Là, c'est mon truc cheveux avec mes pinces, mes chouchous et compagnie. Et enfin, par ici, on a tout ce qui est produits solaires. Ça, c'est des produits corps, mais que je sais que je vais pas utiliser en hiver parce que c'est genre mon oeil et tout. Moi, je suis très très chiante sur les odeurs. Et là-dedans, on a tous mes accessoires, roll-on, gua sha. C'est fini, le lit. Et vide. En fouillant pour chercher un briquet, je suis retombée sur un livre dont je voulais vous parler. Dans ma dernière sélection de livres développement personnel, je l'avais pris et je l'ai terminé. Et je ne l'ai pas aimé, donc je me suis dit que voilà, je vais vous le partager. C'est L'art subtil de s'en foutre de Marc Manson, Manson, je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai pas trop aimé le ton, j'ai trouvé un peu condescendant, il y avait des remarques un peu, même je le trouvais sexiste, avec un regard un peu patriarcal sur pas mal de choses. Et voilà, c'est pas du tout ma vision du développement personnel. Je vois bien le truc d'être un peu à contre-courant et tout, mais j'ai pas du tout accroché avec le style. Et j'en ai parlé avec Paola, qui est ma prof de yoga et une amie. Et elle a eu un peu le même ressenti, donc voilà. Je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. En tout cas, celui-là, je n'ai pas aimé. Je suis en train de lire Comme par magie de Elisabeth Gilbert. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. J'en suis au début. Mais voilà, pour l'instant, ça me plaît beaucoup plus. Au fur et à mesure, je vous partage mes petites découvertes. Je trouve qu'en développement personnel, il y a tellement, tellement de tout et surtout n'importe quoi. J'ai un peu du mal avec les livres où on applique une méthode pour être heureux et tout. C'est vraiment quelque chose qui me dérange parce que déjà, je n'y crois pas. Je pense qu'on est tellement d'individus et d'individualité et de personnalité que ce serait tellement simple s'il y avait une méthode. J'aime bien voir le développement personnel pas comme une fin en soi, comme des outils qui nous servent tout au long de notre vie, voilà, en fonction de nos besoins, nos objectifs, etc. C'est pour ça que dans le projet sur lequel on travaille avec Mathilde, on est hyper vigilante sur tout ça, surtout ne pas vendre de méthode, parce que voilà, je n'y crois pas, donc j'ai pas envie de rentrer dans ce système. Mais en tout cas, celui-ci, il parle beaucoup de la créativité, ce genre de choses, et c'est assez inspirant, donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Avocat, truite, œuf, miam. Et je pense que je vais regarder un petit vlog d'une américaine. Là, j'ai mis la queen du ménage. J'aime bien, ça me détend de voir les autres ranger comme si j'avais pas fait assez de rangement aujourd'hui. Bon, voilà où on en est actuellement sur la to-do du jour. Pour demain, il nous restera à la pharmacie le frigo. Ce soir, on va découvrir un resto que je connais pas, qui est pas loin de la maison. S'il est bon, je pourrais emmener Samuel, parce que c'est vrai qu'en fait, on a l'avantage, on est entre deux départements, donc on a plein de restos et tout autour de nous, on est vraiment bien placés. Du coup, c'est ma copine Caro qui vient manger à la maison et passer une petite soirée toutes les deux, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Et quand on se voit, c'est vrai que je prends pas trop ni ma caméra ni mon téléphone. J'ai pas 50 amis, mais les quelques personnes que j'ai, c'est vraiment des personnes que j'aime et bon, je vais me préparer et je vous retrouve tout à l'heure. On part au resto, donc ce resto qu'on ne connaît pas. Il y a ma petite Caro qui est là. Je pense que Caro, on t'avait vu au lycée dans la vidéo que j'avais faite. Souviens, on allait faire du javelot et tout. Oui. Ça y est, ma copine Caro est partie. Il est 23h20, on s'est fait des petits masques pour le visage et tout, c'était trop bien. Le resto était vraiment pas mal. J'ai pas pu vous filmer parce que j'étais avec mon téléphone et il y avait du bruit, et bref. Mais c'était pas mal. Et là, j'avais envie de me faire un petit dessert. On n'a pas mangé de dessert là-bas. On va prendre un fjord, ma passion. Je vais mettre dedans du beurre de cacahuète et du chocolat, bien sûr. En regardant une de mes vlogueuses préférées qui est Rémi Cruz. J'adore Alicia Marie, j'adore Emma Chamberlain.
Voilà, j'aime bien les vlogs des américaines. En ce moment, je suis très fjord et très skir. J'achète ces gros pots là de la marque Coro. C'est pas du tout une collab, hein. J'ai même commandé avec le code de mon ami Nikook. Je vais arrêter ce vlog ici. Je vais bientôt aller me coucher. J'espère que ça vous a plu, ces deux petits jours ensemble. Moi, j'ai bien kiffé. Franchement, c'est toujours un kiff pour moi de faire des vlogs et surtout dans les petits moments comme ça. Routine, rangement, self-care, tout ce que j'aime. J'ai hâte d'avoir vos petits commentaires. Sachez que je les lis tous et que ça me fait vraiment plaisir quand vous prenez le temps de mettre un petit commentaire. Donc merci. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.